quart de la semaine, mais je pense que ça prendra des semaines en fait. Il faut remettre sous pression les canalisations, les nettoyer, dehors du sable, en fait, etc. C'est assez compliqué, techniquement, c'est compliqué. Le plein régime, on n'a pas avant de prendre le... Ceci étant, nous avons demandé qu'une réunion se tienne en Guadeloupe pour que les flux financiers fonctionnent. Parce qu'il n'y a pas d'internet, donc ce qui veut dire que les cartes bleues ne passent pas, ne passeront pas avant un moment, donc il faut que l'argent liquide revienne. Et pour avoir de l'argent liquide, il faut que les banques puissent vous donner accès par rapport à un compte qui est détruit, etc. Et il faut ramener l'argent. Donc la Brinks est capable de revenir avec de l'argent liquide. Il faut reconstruire tout ce système. Donc ça paraît tellement simple que tout ça marche. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est compliqué. Alors, vous avez mis en place la plus grande opération logistique depuis la Deuxième Guerre mondiale conduite par la France. Toute opération militaire confondue. On a un pont aérien extraordinaire. Enfin voilà, vraiment, tous les gens qui font ça jour et nuit.